On horizontal bar now from Uzbekistan, Anton Fokin. Alors, attention à l'Ouzbek, Anton Fokin. Je suis curieux de savoir ce qu'il va nous présenter, Anton Fokin. On a pu voir les maniques hein, que les gymnastes ont aux mains. Ce sont tout simplement des lanières de cuir hein, qui aident le gymnaste à mieux accrocher la barre, parce que forcément, avec la force centrifuge, c'est extrêmement difficile de tenir la barre. Donc la magnésie hein, améliore l'adhérence, forcément. Ouais, c'est Yann Kuchra qui a eu un petit souci de manique lors des qualifs. Ça n'a pas empêché de se qualifier pour la finale. Voilà, et on a pu voir un premier lâcher de barre appelé le 4-chef. Un franchissement dorsal au-dessus de la barre. Là, on peut voir des ramenés de jambes à la barre suivi de tour complet. Là, ici, une dislocation d'épaule. Voici un élément que l'on appelle le endo, suivi d'une prise dorsale. Voilà, donc c'est un gymnaste qui a opté pour les difficultés techniques. Prise d'élan pour la sortie avec un double tendu. Alors ça m'étonne, parce que c'est une sortie de base hein, pour le gymnaste à ce niveau là ça se voit pratiquement plus. Donc je sais pas, il a l'air assez déçu là, peut-être qu'il s'est fait mal quelque part. Regardez la sortie, double salto arrière tendu, c'est assez impressionnant. Mais à ce niveau là les gymnastes incluent généralement des vrilles, plus souvent des doubles vrilles à ce niveau-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé là.